Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Alors je suis dans mon coin de prière. Voilà. Je vais passer un moment avec le Seigneur Jésus. C'est tellement beau de passer un temps devant Dieu. Voilà, hein, dans la nature où je me trouve. Voilà, merci Seigneur, j'ai bien l'habitude de venir ici. Et je voulais vous faire voir quelque chose. Voilà, vous ne le verrez pas bien, mais bon, je vais vous le montrer. Ici, il y a un petit âne qui est là. Et je me rappelle d'un verset de la parole de Dieu qui dit qu'un jour, Jésus va demander à ses disciples d'aller dans un village. Et il va dire, vous trouverez un âne, un ânon, avec sa mère qui est attachée, qui sont attachés. Il va dire, détachez-le. Et venez me. Et puis, il fallait lui amener à Jésus, quoi. Et si on vous demande. Qu'est-ce que vous faites? Vous direz que le maître en a besoin. Et je bénis Dieu parce que c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont été au village et puis ils ont trouvé cet ânon, comme Jésus l'avait dit. Et Jésus va monter sur le dos de cet ânon. Et là, il va faire son entrée triomphale à Jérusalem. Et là, la foule va l'acclamer. Il va dire Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ils vont joncher le chemin de branches de palmiers. Ils vont joncher le chemin de leurs vêtements. Et ils vont crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus aurait pu venir sur un beau cheval blanc. Il aurait pu venir sur le cheval d'un roi. Il aurait pu venir sur un merveilleux cheval avec de belles choses. Mais non, il a choisi la chose, l'animal le plus inutile. Et la Bible nous dit qu'il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, eh bien, qu'il nous a choisis à nous pour porter Jésus. Il nous a choisis à nous comme il a choisi ce petit âne pour porter Jésus. Et je voudrais vous dire, les frères, les sœurs, qui écoutez ce message, eh bien, que Dieu nous a choisis à nous qui étions sages aux yeux de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes devenus fous aux yeux du monde parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que aujourd'hui, nous portons Jésus dans nos cœurs. Nous portons Jésus dans nos vies. Et que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, ce petit âne, quand il a fait son entrée à Jérusalem avec Jésus sur son dos, c'est pas lui que les gens ont applaudi. Mais c'est Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Il ne faut pas que les gens nous voient à nous. Il faut que les gens voient Jésus au travers de nous. Au travers de notre témoignage, de notre façon de penser, de notre façon de voir, de parler. Eh bien, il faut que les gens voient Jésus en nous. Le plus grand des témoignages, c'est que les gens voient Jésus en nous. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu choisis par Jésus-Christ. Et nous portons Jésus en nous. Comme ce petit âne qui le portait sur son dos, eh bien, nous portons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage pleinement, et que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. Gloire à Dieu.